endurait de douleur. Il y a une jeune fille qui était un peu violente, il y a eu un choc au niveau du cou. Voilà, donc j'avais les difficultés même pour trouver mon cou. Souvent, c'est les risques du métier. Pendant qu'on délivre les gens, tu vois le bras, il y a eu un choc. J'ai tout fait, mais c'est passé, la douleur est passée. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur, soyez bénis. Amen. Vous les sorciers, nous vous aimons. Nous voulons que vous laissiez des gens. Parce que la vie, amen, elle est précieuse. Rien ne vaut la vie. Ne venez pas nous emmerder. Laissez nos parents tranquilles, s'il vous plaît. Amen, s'il vous plaît. Rien ne vaut la vie. Et la vie, elle est tellement précieuse. De toute façon, vous aimez la vie, là. D'autres personnes, nous aimons aussi la vie. N'allez pas torturer les gens. Amen. C'est vrai que nous savons que c'est une maladie. Mais s'il vous plaît, laissez les gens vivre leur vie tranquillement. Amen. Amen. Il n'y a pas de raison, sans truc, vous détruisez la vie des gens, vous enterrez les familles. Ça vaut de vous la mort, les morts, la mâche. C'est ça, il dit morguier, sorcier, son camarade. Hein? Moi, quand quelqu'un dit non, il a pont funèbre, il est propriétaire des morgues, je commence à avoir peur de lui. Même si c'est utile. Ouais, on a besoin de ça pour. Mais tes parents, quand tes parents meurent, pour faire, on les met dans le cercueil, oui, c'est vrai. Mais quand quelqu'un se lève, il dit, ah, ça n'a pas marché aujourd'hui. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu assez de morts. Or, nous luttons contre ça. Et on va mourir. Quand tu te lèves matin, tu vas au bureau, il y a eu combien de cadavres? Ah, pourquoi il n'y a pas eu assez de cadavres? Sorcier. Quand tu travailles, tu es content, il y a un cadavre. C'est des sorciers. Amen. Amen. Il y a un nom qui travaille dans Pont Funèbre. Malheureusement, c'est un parent. Lui et moi, on ne s'entend pas. Non, on ne peut pas s'entendre. Moi, c'est la vie et lui, c'est mort. Ah, mais ça fait un marché, ça dit qu'il y a eu beaucoup de cadavres. Amen. Amen. L'évangile que nous prêchons, nous apportons la vie autour de nous. Alléluia. Amen. Je vous informe, peut-être que vous avez dit à l'information, que vous êtes ici à la brigade, l'état-major de la brigade anti-mangeur d'arbre. Amen. Je disais, on dit sorcier, ok, ça vous fait rien, mais on dit mangeur d'arbre. Quelqu'un lui s'alimente. De toute façon, toi, tu manges poisson, toi et Carba. Eux, ils mangent l'homme. Voilà. C'est le seul ministère qui résout tout ce problème. Amen. Amen. Vous voyez, c'est comme en médecine. Vous voyez, la médecine a les spécialités. Vous allez rentrer dans le corps médical, vous allez voir chacun sa spécialité. On dit les médecins, les docteurs, mais docteur top, dans tel domaine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que la spécialité en matière de médecine qui est plus délicate, c'est la chirurgie. N'est-ce pas? C'est la chirurgie. Ils sont tous médecins. Mais les médecins respectent beaucoup les chirurgiens. Alléluia. Amen. Nous sommes tous dans le ministère, chacun en son domaine. Je voulais inviter les pasteurs cette semaine prêcher ici. Parce que j'ai voulu qu'on fasse un grand programme avec des amis pasteurs. Des gens qui veulent vraiment voir l'intérieur. C'est vrai, ils sont chauds. Mais quand les gens constatent que les sorciers même sont ici, même les amis, les pasteurs ont peur. Ils me demandent, prophète, les sorciers, là, ils sont ici là-bas. Il dit oui. Ah! Il lui dit, mais tu n'as pas dit t'es appelé. Tu n'as pas dit Jésus de Nazareth t'appelle. C'est quoi bizarre? Ils ont peur. Amen. Or, il ne faut pas avoir peur parce qu'on a Dieu. Sorcier, c'est qui? C'est des comédiens. Ou bien? Sorcier, ouais, là, c'est des comédiens. Dieu est puissant, c'est tout. Si tu as Dieu, c'est l'essentiel. Dieu au-dessus de la sorcellerie. Vous êtes à l'état-major de la brigade anti-sorcier. Quand vous rentrez ici, là, on fait de vous choubouiller empoisonné. C'est-à-dire quand sorcier, tu vois l'éternel.
C'est que toi, il y a poison sur toi, il ne peut pas te manger. Amen. Par contre, il y a des gens, il y a tomates, oignons cieux. Quand ils passent les sorciers, il est possible de les manger. Ah, vous ne voyez pas les chouvières. Quand ils passent, pendant ça fatigue ton nez. Tu as envie de les manger. Oui. Il y a des gens qui sont là. Les sorciers ont envie de les manger. Alléluia. Amen. Quand vous passez ici, Dieu change votre destinée. Le sorcier obligé, il est condamné à te laisser. C'est une obligation. Ici, nous réglons tous les problèmes. Ici. Combien de fois j'ai été attaqué parce que Dieu m'a appelé à ça. Nous, on ne règle que ça. Amen. Nous ne parlons que ça. Nous ne réglons que ça. Il n'a qu'à être à distance d'un sorcier. Si on veut le depuis ici, le taper là-bas, le taper. Ouais. Amen. Amen. C'est la brigade anti-sorcier. C'est une brigade. Hein? Ça fonctionne comme ça, c'est une brigade. Nous nous luttons parce que c'est des criminels spirituels. Ils endeuillent les familles. Amen. Amen. Voilà que Dieu bénisse. C'est le ministère délicat. C'est pour ça que vous priez pour nous. C'est différent d'un pasteur, mais Jésus est bon. Non. Nous attaquons les sorciers. Voilà. Nous les mettons au pas. Nous les désarmons. Et ça, c'est important. Quand les sorciers ne sont pas inquiétés, et ils mangent. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Qui croit à la puissance de Jésus-Christ? Amen. Priez beaucoup pour nous. Amen. Amen. Voilà, priez beaucoup que Dieu nous donne surtout assez de force. Moi, je crois à ma longévité. Je sais qu'il reste bien vivre longtemps pour attraper les sorciers. Amen. Voilà, je crois tout à ça. Je crois trop à ça. Les sorciers vivent longtemps. C'est pas moi qui vais vivre longtemps. Je vivrai longtemps pour les traquer. Mais Dieu nous donne assez de force. Et ça, c'est important. Et que Dieu touche vos cœurs pour soutenir le ministère. Amen. Il y a ce côté-là aussi. Vous venez ici, on règle vos problèmes. Vous ne savez pas que le prophète mange. Il doit gêner jusqu'à chaque jour, il va gêner. Vous ne savez pas qu'ici, on doit payer maison. Vous ne savez pas qu'on doit soutenir les choses. Mais les gens qu'on a délivrés, ils oublient le ministère. Or, si le ministère est soutenu par toi, la Côte d'Ivoire sera délivrée. Amen. Il y a des gens qui ont un. Quand ils sont dans un secteur, ils apportent le développement. J'ai circulé un peu à Divo, je suis en train de mettre goudron. Avant qu'on ait mis goudron, j'ai déjà annoncé qu'on va mettre goudron. Amen. Je l'ai déjà annoncé quand j'ai fini le. C'est pas une question de coïncidence, ça n'a rien à voir avec une coïncidence. J'étais hier à Grémia, je suis allé voir le président Seko. Je lui ai dit, tu as vu, ils ont commencé à mettre le bitume. Oui, c'était rien. Mais quand on a fini Grémia, je leur ai dit, j'ai pris la clé de Divo, j'ai ouvert les portes de Divo. Le développement va rentrer. Et ça c'est avant, j'ai discuté. Tous ceux qui étaient à Grémion, ils ont vu le message que j'ai abordé ce jour-là. Voici Grémion, voici Divo qui est en train d'être bitumé. L'église doit porter le développement. Vous êtes là, non? Tu es attaché au foulard. Tu ne vas pas boudorer. Tu n'es pas chrétien. Il faut le porter longue. André Moine. Oh. Faut attacher. Puis jusqu'à là, mâche longue, tu séduis. C'est quoi ça, tout ça? Ça n'a rien à voir avec la réalité. Quand une église est quelque part, elle chasse la présence des ténèbres. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Jamais. Nous sommes lumière et ils sont ténèbres. Et là où il y a les ténèbres, difficilement le développement pénètre. Sauf cela qui allait regarder à Zaroko. Tout va ensemble. La voie de Zaroko est venue, il y a une route, parce que la route précède le développement. Or, les sorciers sont anti-développement. Là où ils sont combattus, ici en Côte d'Ivoire, par ici en Côte d'Ivoire, là où il y a la présence forte et la sorcellerie, c'est dans le pays d'Ida. C'est ici. C'est pour ça que les gens me demandent, quand tu payes les sorciers de Ida. J'ai dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il y a quelque chose de plus fort à moi. C'est un don que Dieu a donné. J'étais
en France, ça ne m'intéresse pas tout ça. Pourquoi il y a fini quoi? Pourquoi est-ce que tu as mangé quoi? Il y a mangé quoi? Hein quoi? Sans ce plan-là? Hein quoi? Placali? J'ai mangé. Ah, c'est pas le travail. Mais c'est Dieu qui m'a donné ce ministère pour sauver les âmes. Là où il y a un fléau, Dieu apporte la solution. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas de la cash. Mais nous disons, l'église doit être entre les 4000. Or, malheureusement, c'est ce que nous découvrons aujourd'hui. Tu es dans quelle église? Je suis dans telle église. Ah, tu n'es pas mon frère. Tu vas dans quelle église? Ton nom, c'est ton pasteur, ça fait ton. C'est ça qui nous intéresse. Or, allez à l'essentiel. Amen. C'est d'aller sauver les âmes perdues. L'église doit porter la vie. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs dans cette région. Alléluia. Et là où il y a la présence de l'église, Satan obligé, n'est-ce pas, de s'arranger. Je disais comme ça dans la région de Hiré. Pourquoi vous êtes dans un village, vous êtes chrétien, et puis c'est là les sorciers mangent les gens. Ça dit, ils ne sont pas inquiétés par vos prières, ça ne leur dit rien. Amen. Or, la Bible dit à Christ, à l'église, Dieu a donné le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas amusant. Le prix de la vie de Jésus, il a payé ça très cher en donnant de sa vie pour nous donner le pouvoir sur le diable. Amen. Amen. Or, Dieu nous donne le pouvoir pour mettre Satan au pas, pour mettre tous les diables au pas. C'est ça qu'un véritable enfant de Dieu dans une famille, c'est une victoire. C'est ça qu'un sorcier dans une famille, c'est une malédiction. Amen. Amen. C'est ça que les anges ont dit. Ceux qui allaient détruire ce homme et comment? Quand ils parlaient avec Abraham, si on pouvait trouver injuste seulement, à cause de toi seul, Dieu est en train de restaurer ta famille. Alléluia. Amen. Quand un enfant de Dieu est quelque part, c'est la bénédiction. Amen. La présence d'une église dans un village doit porter la vie. Amen. Amen. Oui, la vie. La puissance de Dieu. Enfin, l'église, ok, qu'est-ce que l'église nous apporte? Or, le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie. Amen. Ta vie de tous les jours doit témoigner de la puissance de Dieu. Tu reviens de l'église, bien sûr, quand tu te vois, qu'est-ce que l'église a changé? Qu'est-ce que le christianisme a fait à ta vie? Si rien, aucune personne ne pourra croire en Jésus. Ça dira prier avec quelqu'un. Amen. C'est ça que Jésus dit, je ferai de vous des témoins. Ta vie doit témoigner de la puissance de Dieu. On ne se marie pas dans la famille, ok, toi tu dois te marier. Parce que la Bible dit, il mettra une différence en toi qui le sait et lui de la famille qui ne le sait pas. Il faut qu'il y ait une différence. Le Messie n'a pas du travail, toi tu n'as pas du travail, vous. Non. La personne doit découvrir au travers de ta vie la puissance de Dieu. Toi tu avances, tu n'avances pas. Et tu lui partages ton secret qui est Jésus. Frère, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, je sais ce que j'entendais dire. Je suis un témoin puissant. Tu fais de moi un témoignage. Je suis un témoin puissant pour ma famille. Je suis devenu un incontournable pour la famille. Amen. Amen. Je m'en fiche si mes parents vivent en Europe. Mais quand ils viennent encore du voir, ils savent que sans moi, ils ne peuvent pas bouger. Ils le savent. Pas parce que je suis le prophète national. Parce que je suis d'abord chrétien et Dieu fait de moi un témoin. Amen. De sa grandeur et de sa puissance. Amen. C'est ça qui est le plus important. Devenez des chrétiens. Convertissez-vous. Donnez véritablement vos cœurs à Jésus. Il fera de vous des témoins. On dit amen. Amen. Ne venez pas seulement pour que Jésus vous délivre de quelque chose parce qu'il y a une situation. Mais il faudrait que Christ soit en vous. Or la Bible dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Vous voulez voir Christ? Il faudrait que Christ soit en vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit amen. Amen. Dieu est puissant. Quelqu'un, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Amen. Amen. Comme Jésus et Satan dans la maison. Faites pas là. On n'a pas dit paix. Le monsieur est dilaté. Blessé par tout chaos. Il n'y a pas match. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de match. Où on ne doit pas échouer, c'est dans le christianisme.
Là où dépend de la prêcheur christianisme. Là où c'est le ciel qui doit nous intéresser. Et rien sur la terre ici. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Insulte-moi sur la terre. Ce n'est rien. Mange-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. Je ne sais pas te manger, Christ, ce n'est rien. Pas, moi, les gens ne disent pas ça. Ce n'est rien. Ma patrie. Tu connais le ciel? Qui va le ciel pour dire ma maison là-bas? Qui va le ciel? Amen. Alléluia. C'est la chose que je ne chante pas. Il faut que Dieu vous donne, vous fait asseoir dans certaines classes, dans certaines bénédictions. Amen. Amen. Oui, avant d'arriver au ciel, hein, toi, tu es sur la terre ici. Qu'est-ce que le Christ salut t'apporte sur cette terre? Jésus t'apporte quoi? C'est pour ça que les disciples ont dit, Jésus, qu'est-ce que nous gagnons tout souvent? Nous gagnons quoi tout souvent? Alléluia. Amen. Tu as quelqu'un, Jésus béni. Jésus béni. Tu as quelqu'un, Jésus béni. Jésus béni. N'est-ce pas qui croit ça? Amen. Moi, je suis content parce que j'ai connu Jésus. Je suis content parce que Jésus. Il a allé à l'église depuis connaître Jésus. Les gens sur la rue de Maïs marchaient, mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Or, on peut marcher avec Jésus et puis ne pas avoir la révélation de la personne de Christ. Et les gens vont à l'église, ok, ils sont baptisés, confirmés. Ils n'ont pas la révélation de la personne de Christ. Ils ne savent pas qu'en lui, il y a tout. Il y a tout. Il y a guérison, il y a miracle, il y a restauration, il y a la protection. Amen. Moi, ce qui m'a intéressé, je suis fils de musulman, mes parents sont musulmans, ils sont même musulmans. Ce qui m'a plus intéressé, je ne suis pas contre l'islam. C'est la religion de mes parents. J'ai pratiqué l'islam. J'ai été devenu chrétien parce que j'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Je ne suis ni contre un musulman. Ce n'est pas un problème. Tu peux vivre avec un musulman sans problème. Les musulmans viennent ici, je prie pour eux sans problème. Je vous parle d'une rencontre que j'ai eue personnellement avec Jésus, une rencontre personnelle avec Jésus et ce qu'il a fait pour moi. J'ai un témoignage. Non pas contre l'islam. Je ne suis pas contre l'islam. C'est la religion de mes parents. Moi et les musulmans sommes ensemble, mon ami. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui m'a intéressé quand je venais dans le Seigneur, ce qui va plus m'intéresser, est-ce que Jésus. Moi, ce n'est pas le ciel. Si vous me parlez du ciel, ça n'allait jamais m'intéresser. Ce qui va plus m'intéresser, est-ce que Jésus pourrait me protéger? Amen. Parce que j'ai pris Nassidi. Vous connaissez Nassidi? Oui. Ah ah, vous êtes passé là-bas. Fatigué, vous êtes venu ici. Il dit oui. Aïe, chacun est passé là-bas. Ouais, les sorciers, là, nous aider à connaître Dieu. C'est parce qu'il nous amène quand chez Dieu. Sinon, toi, tu es un bon buveur de belin. Koutoukou. Les Koutoukou, là, ça pêche. Ça brûle. Il n'y a pas de degré. Amen. Amen. Et le Dieu, c'est le grand buveur de Bangui. Il y a un monsieur lui vendait Bangui à Zaroko. Denéka, ça dit c'est. Quand vous buvez ça, vous ne pouvez pas aller dormir. Denéka. C'est fermé. Ça ne marche plus. Parce qu'il y a eu un réveil, puissant réveil spirituel, puissant à Zaroko. Il a fermé l'usine de Bangui. Parce que Dieu condamne l'ivrognerie. Amen. Pour ça, quand quelqu'un dit non, il est parce qu'il est saoulé, il est insulté. Il dit, ah, pourquoi c'est moi qui vais insulter? Il ne va pas insulter le policier. Pourquoi il est saoulé puis il va pas au commissariat pour dire monsieur le commissaire, merci. C'est que le commissaire va le montrer. Mais oui. Hey, monsieur le commissaire, ta tête. Prison, tu dois faire. Mais monte. Non, imagine la vue. Et puis il connaît sa maison, il sait comment va couvrir sa chambre. Alléluia, que Dieu nous aide. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus a donné à nous aller. Jésus a donné. Jésus a donné à nous aller. Jésus a donné. Jésus a donné à nous aller. Jésus a donné.
C'est vrai que étant à table avec ses disciples, il y a un de vous qui va me livrer. Celui qui mettra la main avec toi que moi, dans le plat, celui qui va me livrer. Cette parole s'est accomplie. Car c'est Judas qui avait mis la main. Le même Judas qui a trahi Jésus. Jésus a donné à nous en haut. 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 Jésus a donné à Jésus a donné à nous en haut. Jésus a donné à Jésus a donné à nous en haut. C'est vrai que étant à table avec ses disciples, il dit à un de vous qui va me livrer. Celui qui mettra la main en même temps que moi, dans le plat, celui qui va me livrer. Cette parole s'est accomplie. Dans ce Judas qui avait mis la main, le même Judas qui a trahi Jésus. Jésus a donné à nous en haut. 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 Jésus a donné à Jésus a donné à nous en haut. Jésus a donné. Alléluia. Tu danses, tu viens de. C'est une vieille choco. Dis à quelqu'un, tu es béni. Alléluia. Amen. Ça, c'est ma composition. C'est moi qui ai composé le chant. Et un artiste a pris ce chant pour mettre sur son album. C'est vrai que étant à table avec ses disciples, il dit à un de vous qui va me livrer. Celui qui mettra la main en même temps que moi. Dans le plat, celui qui va me livrer. Cette parole s'est accomplie. Car c'est Judas qui avait mis la main. Le même Judas qui a trahi Jésus. Jésus a donné à nous en haut. Jésus a donné à nous en haut. Jésus a donné à nous en haut. Oh, Jésus a donné à nous aller, yo. Jésus a donné à nous en haut. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Dis à quoi quelqu'un, Jésus revient bientôt. Élie et la bonne âme, ma cœur est qui moua.
Choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Je ne me suis pas levé un matin pour dire je suis prophète Crasso. C'est lui qui m'a choisi. À mon salé. À mon salé. Tu es béni. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Qui croit que tu vas changer sa destinée? Alléluia. Qui croit ça? Qui croit ça? Qui croit la puissance de notre Dieu? Amen. Dieu mettra fin à ta souffrance. Ça, c'est important. Vous savez, il y a toujours un prix à payer. Pour même rentrer dans la destinée, il y a toujours un prix à payer. C'est le prix que tu es en train de payer. Tu as quitté ton beau lit, tu as quitté tout pour être ici. Peut-être même dans les moustiques, peut-être que les conditions sont difficiles. C'est le prix à payer. Il y a un prix que Jésus-Christ a payé à la croix pour sauver notre âme. Il a payé le prix à la croix en donnant de sa vie pour que tu sois sauvé. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est puissant. Qui croit la puissance de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. 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 Moi, j'étais malade quand Jésus m'a guéri. Je ne croyais même pas que Dieu pouvait me guérir. Parce que j'étais atteint d'une maladie qu'on appelle mystique. Et puis Jésus-Christ s'est révélé à moi. Jésus, c'est une réalité. C'est ce qu'il dit aux gens, vous croyez ou pas, Jésus existe. Vous croyez ou pas, ça c'est l'engagement de vous. Mais Jésus-Christ existe, c'est une réalité. Jésus est puissant, il est capable encore de délivrer. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus peut te délivrer. Jésus est délivré. J'étais malade, je suis allé voir les marabouts. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller haut. Monsieur qui avait 10 ans sans brosser sa dent. Il ne sait pas où on achète Colgate. Il mange. Il met lui dans la main, il connaît pas. Demain, il mange pour la. Pra, pra, pra. Et puis, il dit bois. Vous ne savez pas mon moutement, tu cherches. Il va dire si Dieu le veut, ça va aller. Ni à la sonna. Abdullah. Ni à la sonna. Ça veut dire mais on n'est pas cherché Dieu. Il m'a dit que. Ils m'ont dit que ça va aller haut. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller haut. Et moi passé, deux mois passés, je n'ai pas été guéri. C'est quand j'acceptais Jésus, Jésus. Ma délivrée,
Dieu.